Une des affaires que j'ai essayé de faire toute ma vie, c'est de ramasser, comment dire ça, ramasser la fierté. Des fois, il n'y en avait pas. Mais ramasser la fierté des Québécois qui nageaient par-dessus la soupe là, de la misère. Là. Fierté à aller chercher. Puis, je me suis dit, on va ramasser ça, puis à un moment donné, ça s'en va faire comme un... Ça fait un... bien des films, mais tu sais, comme un gros livre de nous autres qui est moins déprimant que de « on sait bien, nous autres, on est nés pour un petit pain ». Des fois, la fierté, elle était petite, mais bien des fiertés ensemble, ça s'additionne. Puis des fois, la fierté était immense. Quelques exemples d'images que j'ai jamais pu faire en documentaire. Vas-y. Tu sais, tu fais un plan de Denis, là. Ouais. Puis là, moi, je cite, puis tu vois juste mes yeux, tu sais, enfin, puis là, je t'en assis, là, puis je veux l'étrangler, là. Non, tu peux pas faire ça, tu sais, ça arrive jamais, le monde se met de même. Mais non, pire que ça, t'as deux personnes qui se parlent, si t'es tout heureux de faire gnien, 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 parce que ça va vraiment. Bon, tu sais, le fameux tableau de. Comment il s'appelle, le peintre français, là? Tu sais, les joueurs de cartes, là. Georges Delateau? Non, non, mon Dieu. Bon, ben, tu sais, ils sont proches de même. Ouais. Ils jouent au cap. Ouais. Ça, jamais en documentaire. Regarde, ça, c'est vous. Ouais. C'est assez extraordinaire. Ça marche pas. Puis là, tu sais, ils me voient, puis je le vois, puis tu me vois. Pas ça, moi. Ouais. Jamais.